15h-16h30, Cyril Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, un autre coup de cœur très solaire, j'ai envie de dire, un trio parisien polycool qui nous propose un nouveau morceau, Something Between Us, issu de leur nouvel album Lovoscope. Il sortira le 14 avril. On écoute et on en parle avec eux sur Radio J. Entendre Something Between Us sur l'antenne de Radio J par le groupe Polycool. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Radio J. Il y a Tino Gelli en face de moi. Je suis ravie de vous revoir parce qu'on s'est déjà vu, on se connaît. Vous étiez venu l'année dernière pour le groupe Walter Astral. C'est ça. Et donc il y a deux groupes en même temps. Vous n'abandonnez pas un pour un autre. L'objectif, donc, c'est de cumuler et de découvrir ce groupe qui me plaît beaucoup, je vous avoue. Comment vous définissez votre musique? Vous êtes tous les trois à votre côté. À vos côtés, il y a Jonas et Léon avec vous. Quel style, quel univers vous nous proposez? C'est un univers très, très pluriel parce que ça fait assez longtemps qu'on existe. Donc, on aime passer par tous les styles. Mais je dirais que déjà, c'est groovy, que c'est pop. Et que c'est fun. Alors c'est fun, je vous pose cette question et c'est pas pour rien parce que j'ai vu évidemment votre communiqué de presse. J'ai beaucoup ri. Un projet indépendant et absurde. Et quand on écoute votre musique, ça a l'air d'être tout sauf ça. parce que ça a l'air quand même d'être très sérieux ce que vous nous proposez. Cette musique, moi je l'aime beaucoup, elle m'entraîne, je la trouve très agréable et je vois Céphase en face de moi qui a l'air d'aimer aussi. Ouais. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble a priori, mais comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien on s'est rencontrés au Jonas. Collège, figurez-vous. Okay. On était très jeunes et on a appris à faire de la musique ensemble. C'est comme ça qu'on a découvert la musique. Et depuis, on a créé notre musique sans contrainte, juste avec ce qui sortait de notre tête depuis 15 ans. Est-ce que vous avez des aspirations particulières? Qu'est-ce que vous écoutez et qui vous a inspiré? Tellement d'artistes. Parce que, bah, comme dit Jonas, ça fait 15 ans. Donc, il y a une ribambelle de super artistes qui nous ont inspirés. Là, récemment, je pense à Nick Hakim, par exemple, qui est un artiste américain qui fait des trucs géniaux. Je sais pas, Léon, t'as... J'ai Yako Gardner qui est un anglais, je crois, non, un américain. Hollandais, oulala, carrément à côté. Voilà, qui est un super artiste aussi. Alors, quand vous parlez d'artiste, vous parlez en termes de composition, de sonorité, de voix, de chant, parce que c'est important de définir un artiste. Là, les deux noms que vous m'avez donnés, je pense que les auditeurs ne savent même pas qui c'est, tellement c'est pointu. Oui, on est sur la niche. Ouais. C'est tout, c'est la composition, c'est un grand tout. On fait pas vraiment de distinction entre une voix. Pour moi, la guitare, ça peut être une sorte de voix, et la voix, ça peut être une sorte d'instrument. Voilà.
C'est un plaisir de vous découvrir sur l'antenne de Radio J. Vous préparez donc ce nouvel album, L'Ovoscope, qui va sortir donc très prochainement, le 14 avril. Un premier EP déjà a été sorti en 2019, ça s'appelait Lemon Lord. Qu'est-ce qui nous attend sur ce prochain EP ou album, justement, et qu'est-ce que vous avez mis dedans ? Alors, dans cet album, on a mis énormément d'amour, énormément de bonheur, et en même temps ça a été un album qui a été gestionné dans pendant le confinement, donc c'était un truc très spécial en matière de composition. On n'était pas spécialement les uns avec les autres, alors que depuis le début, Lemon Lord, par exemple, on l'a composé physiquement ensemble. Oui, celui-là, j'allais vous demander si vous avez fait une session, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, quand on parle d'un week-end, une résidence. Oui, voilà. Oui, on a fait une résidence dans les petites fenêtres de moments libres. Tout l'album a été enregistré à la campagne, dans un grenier, et je pense qu'on va retrouver ce son un petit peu nature. On va écouter Spirale sur l'antenne de Radio J, qui est aussi un autre titre de cet album-là, et puis on revient. Découvre et redécouvre Polycool sur l'antenne de Radio J, ce trio qui est un bonheur pour les oreilles. Vous serez sur scène prochainement ? Oui, tout à fait. Ce sera où ? Dites-nous. Ce sera au Badaboum. C'est une exclusivité mondiale. Ce sera le 13 mai, je crois savoir, au Badaboum, qui est une grande boîte de nuit pour certains et qui a l'avantage d'avoir une scène magnifique. Donc, pour chanter, j'imagine que tout est là. C'est un plaisir. Je tenais quand même à dire que vous avez été programmé à la Wheel of Green il y a 3 ans et c'est pas tout le monde. Donc c'est bien quand même de le signaler. Oh, oui. Vous avez aussi fait le Printemps de Bourges en 2019 et puis vous avez été joué sur de nombreuses radios qu'on ne citera pas mais qu'on embrasse évidemment. Merci d'être passé nous voir et puis je vous laisse dire un petit mot chacun parce que c'est toujours un plaisir de laisser libre cours à ce que chacun a envie de dire. Tino ? Déjà de la gratitude, merci Radio J de nous recevoir, ouais, d'être dans tes coups de cœur, Cyrielle, ça fait plaisir. Ben ouais. Amour et fleurs. Moi, j'ai envie de vous dire citron. Et Léon ? Moi, j'ai envie de vous dire, venez au Badaboum, en fait. Ouais. Et voilà, ça, c'est un très joli mot de la fin, où il y aura beaucoup d'amour, comme ce nouvel album qui sort, donc, je le rappelle, le 14 avril prochain, qui s'appelle L'Ovoscope, et qu'on va venir écouter sur toutes les plateformes, j'imagine. On vient vous suivre également sur vos réseaux, Polycool, sur Instagram, Facebook, j'imagine, et puis sur YouTube, pour voir vos clips, qui sont aussi très sympas à découvrir. Allez, tout de suite, on poursuit dans notre émission Le Coup de Cœur avec Sandy Boulanger. Tout de suite pour le portrait.